Martin Moïse débarqué dans l'OEA pour la rencontrer secrétaire général OEA, Luis Almagro. Rencontre ça a un objectif pour mettre 4 points importants sous table. Et c'est à partir de là qu'on va connaître effectivement est-ce que Martin Moïse a une intention vraie pour venir président pays. Restez là, on va voir tout le détail. Dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a plusieurs gros rencontres avec différents pays qui ont fait là, qui penchaient sur les Haïtiens dans le problème d'insécurité que le pays a fait face là. Eh bien, il y a un pays Canada qui prend une grosse décision là. Une décision ça, il commence à faire un paquet de parler en pile. Il y a un paquet de compatriotes haïtiens qui commencent à voir les pieds, qui sentent estomac et frustrés. Eh bien, on parle qu'on est exactement qui ça, qui dans la décision ça. Après le président colombien Gustavo Petro demandé à Haïti à Haïti pardon parce que mercenaires colombiens sont dans le pays, ils rentrent à Haïti, viennent assassiner le président Jovenel Moïse. Eh bien, sans perdre du temps, Jovenel Moïse, petit président, lui mettait causé nommé président colombien. Gagné Laurent Lamotte à Claude Joseph qui ont même réagi. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TAC 509, sur Haïtien Connecté. Une émission mon éditorial avec Yannick. C'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui là pour me porter ensemble des formations ça pour analyser ensemble dans l'idée pour garder un impact positif et négatif yo ka gagné dans un avenir proche en dedans pays. Nous pral parler pays, nous pral faire débat, nous pral mettre causer dehors. Restez là, pas bouger. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h. Suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. J'aime bien annoncer le commencement de l'émission, mon dos ancienne première dame, Martin Moïse, l'itégon chita parlé dans tête à tête qui fait avec Luis Almagro, qui est secrétaire général OEA. Eh bien, dans chita parlé ça, il y a 4 points importants qui ont été abordés. Pour Martin Moïse, ses principales préoccupations, question justice, question sécurité et souveraineté nationale t'est abordé, question élection et démocratie t'est abordé, et puis après le fini avec problème économique pays d'Haïti a fait face là. Non, première partie qui gagne pour avec justice, Martin Moïse pose problématique qui gagne aujourd'hui là pour communauté internationale là, ou bien précisément pour OEA supporter Haïti dans effort qu'a fait pour Haïti camper face avec racisme systémique qui a influencé coopération Haïti avec un paquet d'autres pays. Et nous actuellement là, Haïti a fait face avec une question racisme systémique, a fait face avec problème anti-haïtien avec République Dominicaine pays voisin nous. Chaque jour virer tourner son question raciale, son question République Dominicaine a attaqué haïtien, Dominicain a attaqué haïtien, il a fait déportation massive, problème raciste dans relation de pays, dans relation qui existait entre Haïti avec République Dominicaine, nous elle poser de manière systématique. De manière continue, c'est toujours problème racial, c'est toujours problème division, c'est toujours problème haine, problème économique qui gagne entre Haïti avec République Dominicaine. Et Martin Moïse fait ça, une préoccupation gagne pour te débattre avec Luis Almagro. Mais ça pas fini là. Martin Moïse, lui ouais, nécessité qui gagne rapide, urgence qui gagne là pour t'avoir coopération pressé qui fait entre OEA avec Haïti. Pour aider l'État haïtien, font réforme dans l'appareil justice. Parce que les juges bon, si tu as une réforme qui fait dans l'appareil justice, je dis là, dossier assassinat Marie Jovenel Moïse, pas traîner comme ça. L'imande pour gagner un renforcement qui fait pour permettre à ce que yon lutte contre toute corruption qui gagne la cap gangrené appareil justice, cap gangrené pouvoir l'État yo. Parce que c'est yon cheval de bataille Jovenel Moïse, bataille contre corruption, c'était ça Jovenel Moïse t'a fait pendant 4 ans, il t'a fait sous pouvoir. C'est ça Martin Moïse dit. Et li allait plus loin pour demander Luis Almagro. Pour Luis Almagro, mettez campé un comité spécial là
au comité dans ça qui gagne pour avec commission interaméricaine des droits de l'homme qui pour enquêter sur assassinat président Jovenel Moïse, qui pour enquêter sous circonstance Jovenel Moïse joint l'amol sous circonstance différents groupes monde que le était haïtien, que le était colombien, que le était américain, que le était dominicain participer dans touyer Jovenel Moïse et li exige pour sa fête non délai qui pas dépassé 2 mois. Li rencontré avec Almagro jeudi 23 septembre. Donc septembre, octobre, novembre, d'ici 23 novembre, faut commission ça ta gen monter rapide pour enquêter sur assassinat président Jovenel Moïse. Et Martin Moïse li pral continuer pour le mandé Luis Almagro pour appuyer toute requête officielle qui fait par l'État haïtien, non ça qui gen pour avec même dossier assassinat président Jovenel Moïse, en requête qui présente devant Conseil Sécurité Nations Unies, nan date 19 juillet jusqu'à 3 août 2021, côté que yo te mande pour te bon tribunal spécial pour yo mette campé pour toujours enquêter dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse, pour juger tout le monde qui participait dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Même gens ça t'est fait, l'heure où t'es fin assassiné premier ministre liban, Rafik Hariri. Donc, tout ça, c'est pour Martin Moïse te développé dans la thématique justice, le la parler avec Luis Almagro. Quand y a question à poser tête, non. Non, même rubrique justice, Martin Moïse, li établit tout point sa yo, li présente plusieurs requêtes, li mande Luis Almagro pour mettre campé commission spéciale, li mande Luis Almagro pour mettre campé tribunal spécial dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Mais pas bon la caille, nous voyons effectivement, la justice haïtienne s'est traînée avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Yon la ne gete passé. Jusqu'à date dossier dans cabinet d'instruction, jusqu'à date pour que j'en juge instruction qui finit instruction dossier pour le tadou, mais qui est inculpé, moun sa yo inculpé yo, yo voye yo devant tribunal criminel pour y juger. Pourquoi j'en gen bagay comme ça? Au contraire, pour le mettre en juge d'instruction sous dossier assassinat Jovenel Moïse, nous toujours c'est dilatoire qu'a fait. Nous toujours c'est moun pa yo choisi, yo identifié, c'est moun pa et doit un tribunal premier instance Bernard Saint-Ville identifié pour le mettre sous dossier assassinat Jovenel là, pour qu'il ça en façon pour dossier en cas marcher à pas de torture, en façon pour dossier à pas jamais ka avancer, en façon pour toujours dans des corruption dans dossier et puis soit dans des temps passé, jour passé, mois passé, année passé, yo pas jamais culpé, yo pa jamais rive joine véritable moun qui participe dans complot. Jusqu'à présent, pile question à poser. Pile question à poser pour qu'on ait côté Badjo Félix. Est-ce que Badjo Félix est toujours Ariel Henry? Est-ce que Ariel Henry toujours abserré Badjo Félix? Yo pa jamais ka konnen. La justice haïtienne pa jamais ka invité Ariel Henry pour attendre. Juge d'instruction passe sous dossier, yo pa jamais prendre responsabilité yo pour yo auditionner Ariel Henry. Ou jamais dans des bagarres comme ça fait jamais. Juge d'instruction après juge d'instruction passe sous dossier, pa jamais gen youn qui assume responsabilité yo comme juge d'instruction qui connaît le gain pouvoir, li gen plein pouvoir pour ta dit voilà, m'a invité Ariel Henry, m'a auditionné Ariel Henry dans 4 dossiers assassinat Jovenel Moïse. Parce que avant ben votre glotte d'aller, l'ol te mandé Digicel relever appel téléphonique. Pa effectivement, yo t'a pral joindre Ariel Henry, li communiquer avec Badjo Félix plusieurs fois. Donc sous relever appel là, juge d'instruction il était qu'à décider d'inviter Ariel Henry pour questionner pour le connaître effectivement qui relation Ariel gain avec Badjo. Et pas oublier DCPJ yo te dou yo manqué prend Ariel avec Badjo Félix parce que yo t'a suivre monsieur yo. Jour Ariel pral rencontrer avec Badjo Félix, yo manqué prend en filature. Donc tout ça au sens ensemble des formations qu'on juge d'instruction était qu'à utiliser pour auditionner Ariel Henry. Pourtant, Ariel Henry, mais yon pas jamais fait. Donc, ça prouve un seul bagay que Ariel Henry, dans moment là, c'est n'est qui a plus pouvoir en dedans pays. Et d'autant par un tribunal spécial qui mette campé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, qui pour faire travail en toute neutralité, en toute impartialité, m'a garanti si c'est pour Haïti, si c'est un juge d'instruction en Haïti, qui pourtant Ariel Henry, dans 4 dossiers assassinat Jovenel Moïse, yon pas jamais d'en.
Parce que c'est nèg sa yo qui a contrôlé la justice, c'est nèg sa yo qui a contrôlé le juge d'instruction dans le pays. Et mettez sous le rouge, vous avez un tribunal première instance bien dans une ville, son l'autre cocotte avec Figaro, avec pouvoir Ariel Henry, son l'autre cocotte avec Figaro, avec mini-justice bientôt dansé. Comment on prend le temps pour attendre Ariel Henry dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Pas bon la caille, nous pas gagner cap marché. Mais aux États-Unis, nous avons les États-Unis qui ont marché pressé. D'ailleurs, rapide, vite, vous avez le temps. Yo geta arrêté Mario Antonio Palacios sur extradé lui aux États-Unis avec elle. Yo extradé au dans la République Dominicaine, yo monté États-Unis avec elle. Yo prend John Joel Joseph, yo monté États-Unis avec lui. Ça Miranda, c'est une bagarre pour que je me comprenne. Alors que la justice en Haïti, yo te mette avis de recherche là gè mandat d'amener des Samiranda, li geta monté États-Unis. États-Unis, pendant ça, Miranda à États-Unis, ou tant d'États-Unis d'où y a enquêté sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, ça, Miranda, li gen tabay toute information que l'a quitté États-Unis, li pralé Palestine. Et c'est là, ça, Miranda arrive à Turquie, yo pral mette men sous li. Parce que te gen notice rouge Interpol de elle, dans cadre coopération Haïti avec. Avec États-Unis, avec Turquie, etc., yo maré Samiranda. Jusqu'à présent, quand Samiranda, Samiranda pas tourné États-Unis. Samiranda, ou j'aime de la justice américaine, yo maré Samiranda, non. Qu'on y a posé cette question pour qu'on ait pour qui raison. Est-ce que l'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse, il y a des privilégiés? Si il y a des privilégiés, je dis, là, qui est sur eux? Si États-Unis considèrent un groupe comme privilégié dans le dossier Jovenel, là, c'est qui est sur eux? Gardez ça crié CTU. CTU, c'est là que tout le bagage était planifié. C'est à travers CTU que vous avez financé l'argent Antonio Endriago. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez marré directeur CTU ou vous avez marré président CTU ou maître CTU? Non, vous n'avez pas marré. Jodi an gon favoritisme ka fait même au niveau la justice américaine dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Martin Moïse ka toujours essayé. Martin Moïse ka toujours rencontré des officiels, li ka toujours rencontré Luis Almagro, mais est-ce que Luis Almagro ka fait un bagay tout bon dans dossier assassinat président Jovenel Moïse au niveau international? Lorsque les États-Unis lui-même on bon, le gros pile moun ki mette nan tête que États-Unis pral ba Jovenel Moïse justice, mais on l'autre bon senti c'est même États-Unis ça ka boycotté. C'est même yo même ka boycotté question justice pour Jovenel Moïse. Martin Moïse li wè avec Luis Almagro question sécurité et souveraineté. Parce que en Haïti, dans ce moment-là, sécurité, c'est une bagaille. Ariel Henry a tout le gouvernement là pour ne pas pouvoir gérer. Et bizarrement, pour Ariel Henry, c'est Martin Moïse qui a chita avec Almagro, qui a fait des propositions dans ce qui est pour avec sécurité. En vérité, Ariel n'est pas content. Qui ça, Martin Moïse, lui mandé Luis Almagro? Premier bagaille, lui mandé Luis Almagro, lui mandé pour OEA, river supporter volonté peuple haïtien dans ce qui est pour eux, avec rejet catégorique nous fait, côté nous dit nous pas vle question intervention étrangère. La. Question nous dit nous pas vle pour ministre Tavine débarquer dans le pays en le fois. Pour une nouvelle force étrangère qui fout les béton, nous pas d'accord bagaille ça. Et d'ailleurs, ou est-ce que manifestation, t'es une mobilisation qui fait, peuple haïtien était débarqué devant le local minuit, yo a dit madame la lim, complot ça, plan ça l'a fait, pour yo retourner, pour yo voyer l'autre mission étrangère en Haïti, en l'autre mission militaire en Haïti de soutien, peuple a parlé, nous parlons, nous pas prendre la main. Question, pour gagner contingent étranger qui a vini, bah, petit peuple, choléra, qui a vini faire cadet Jacques Souti Garso, qui a vini faire cadet Jacques Souti Finou, peuple haïtien dit, yo parlé, et Martin Moïse li invite OEA pour camper dans camp peuple haïtien parce que lui-même li choisi camper dans camp peuple haïtien parce que nous pas d'accord pour gagner une nouvelle force étrangère en Haïti. Mais côté bagaille là plus intéressant face avec problème de sécurité qui gen là Martin Moïse li wè pouvoir rien pas prendre merde dans ça qui gen pour avec sécurité. Effectivement, li mandé pour OEA river supporter river aider Haïti le plus rapidement possible, la pressé pour Haïti river acheter équipement, pour nous river acheter bon genre matériel dans ce moment-là, pour permettre à ce que PNH ka combattre insécurité, pour PNH ka camper bataille avec bandits, pour rétablir le plus rapidement possible sécurité en dedans pays, sans que pas besoin d'une intervention étrangère qui fait là. Et d'ailleurs,
te gon résolution qui te prend dans Conseil sécurité Nations Unies, résolution 2645 qui te mandé dans résolution ça yo te mandé pour yo mettre yon côté à part depuis ces politiciens depuis ces moun en Haïti qui gagne relation à gang qui gagne relation à bandi qui a fait trafic d'armes qui a fait trafic munitions qui a fait violence politique en Haïti pour yon mettre yon côté pour quoi yon pas doué rentrer dans ça qui gagne pour eux n'en prendre décision en dedans pays jusqu'à présent depuis la résolution ça a été prendre dans Conseil de sécurité des Nations Unies en rien pas jamais fait. On y pas en fait parce que c'est Binu, c'est madame Alim qui te gagne obligation pour te dresser un rapport. M'a demandé est-ce que madame Alim songe te gagne un rapport pour te dresser pour te bailler. Jusqu'à présent, gè des séries de officiels dans le pays là, non y'a cité, y'a une grave accusation qui pesait sous dos yo. Dans question trafic d'armes, dans question trafic munitions, dans question violence politique. On y pas j'en dit, on y pas j'en fait. Alors que c'est même madame Alim qui a fait rapport qu'a voyé bay Conseil de sécurité Nations Unies, qu'a voyé bay département d'état américain, qu'a dit c'est gang qui dans la rue. Moun a manifesté pour grand groupe pour misère, madame Alim dou c'est gang qui dans la rue. Mais elle oublie s'il te bon rapport pour te dresser dans ça qui gen pour avec politiciens nèg dans secteur privé des affaires, monsieur dame qui dans société civile yo qui a favorisé insécurité en Haïti, qui a vendu zam, qui a vendu balle, qui a facilité violence politique. Li pa jam fèl, li pa jam fèl. Et rapide rapide pressé pressé, Martin Moïse li mandé pour yo mette campé yon comité spécial qui a gagné responsabilité pour superviser mur ça qui a fait sous frontière haïtienne dominicaine non non souci pour faire respecter frontière internationale sans que République dominicaine pas besoin empiéter sous territoire noir parce que de manière internationale gagne un ensemble de principes un ensemble de normes qu'il a. Si vous décidez de faire MUPOR, si vous décidez de faire frontière POR, pas de problème, mais vous devez respecter la souveraineté de l'autre pays qui est voisin. Donc, je dis là, est-ce que Ariel Henry a gouvernement là, est-ce que Jean-Victor Généus connaît effectivement quantité superficie qui gagne sous zone frontalière là, est-ce que République Dominicaine li empiété, est-ce que République Dominicaine li bien mette, li bien fait des limitations territoriales là, est-ce que le pape prend un terre noir, est-ce que vous bien fait tout à fait? Est-ce que Jean-Victor Généus, li te voye une délégation, li te voye un comité à chita avec Dominicain pour établir tout bagay? Parce que information ça yo pas ka cacher, information ça yo, ça qui gen pour avec bout de papa de Saline là. C'est information publique liée. Donc si Jean-Victor Généus te fait ou t'as pour elle sous page ministère affaires étrangères là, ou t'as pour la primature sorti note, ou t'as pour Ariel Henry sorti note, ou t'as pour Ariel Henry li retweeter décision ça yo qui prend. Donc là on comprend pas aucune décision qui gen pour dans question frontalière là, dans question délimitation territoriale là qu'a fait là. Non, mieux ça, Dominique choisit de monter sous bord frontière par là, pas aucune supervision l'état haïtien qu'a fait là-dedans. Et c'est une préoccupation Martin Moïse. Martin Moïse lui mandé pour eux à fourrer bouche dans cause ça parce que il parle dominicain voler dans petit bout de Haïti. Maintenant dans ça qui gen pour avec troisième rubrique qui t'a parlé Martin Moïse avec Luis Almagro qui gen pour élection avec démocratie. Moi tout à l'heure te gon résolution 2645 Conseil sécurité Nations Unies te prend. Côté le mandé pour yo mettre dans un petit coin pour yo isoler tout acteur qui impliqué dans relation qui gen relation à gang, qui gen connivence à gang, moun qui n'en fait trafic d'armes, moun qui n'en fait trafic drogue, moun qui n'en fait violence politique pour yo mettre un petit côté pour yo mettre à part, pour yo pas gen rien avec élection, pour yo pas gen rien avec à politique, c'est une forme de sanction. Comme c'est madame Alim qui a responsabilité pour faire, comme Ariel Henry lui-même a gouvernement là, tout ça a fait là dans moment c'est corruption, tout ça a fait dans moment là, c'est créer ouverture pour une relation avec gang pour un véritable gang qui travaille pour pouvoir dans moment là. Autant de Ariel Henry, il commence par l'élection. Il dou, il gen préparatif la fait pour élection. Est-ce que le gouvernement Ariel Henry en ce moment-là, il est arrivé isolé, même l'État haïtien? Est-ce que le ministre de la Justice en bête au dossier, il fait travail, il assume la responsabilité? Est-ce que le commissaire au gouvernement Jacques Lafontaine en ce moment-là, il est arrivé enquêter sur différentes personnalités
nèg politique, femme politique de dans pays, monsieur dame secteur privé yo, monsieur dame société civile yo, qui yo même yo na connivance à gang, yo na kokoda à gang, yo gen relation avec bandi en dedans pays. Est-ce que yo enquêté pour yo connait dans prochaine élection, mais palmarès moun sa yo, mais relation yo gen avec gang, mais relation présumé yo gen avec gang, mais trafic d'arme présumé yo kon fait avec gang avec bandi, moun sa yo yo pas ka tourner dans élection. Yo pa fèl. Et c'est une des raisons qui fait jodi a, ou a pou paquet jeunes yo pren responsabilité comme citoyen haïtien pour yo mettre tout ou ni un paquet acteurs, que c'est acteurs politiques, que c'est acteurs économiques, que c'est monsieur dame dans société civile yo qui gen relation présumée avec bandi, qui gen relation consommée avec gang en dedans pays pour mettre monsieur dame ça tout ou ni de manière à ce que ou pas renouveler yo dans figure encore le pral gen élection. Pour pas retourner prendre moun sa encore moun ou konn dans des sénateurs ou dans des députés il gen relation avec gang, il gen relation avec bandi, il a utilisé machine officielle pour faire trafic d'armes pour aller chercher bandi non point amener le non point B. Donc l'on a des formations comme ça sur certaines personnalités en dedans pays hein qu'il y a ses responsabilités l'autant des gouvernements pouvoir champoir l'Ariel Henri il doit pral organiser élection pour garder pour veiller pour est-ce que l'élection campagne lancée est-ce que le nèg yo dou yo ouvri inscription électorale yo registre électoral dans litan mais est-ce que kounye on pral wè modèle moun sa yo pral poser candidature yo pral dou yo pral tourner dans élection kounye si modèle moun sa yo al nan élection parce que gon travail préalable qui pas fait que le tema dans la li pas fait li pas fait travail li pou le voyer bay grand patron aux États-Unis nan maison blanche dans département d'état américain dans congrès li pas fait travail li pas fait travail li bien li pas jamais fait travail li bien madame ça que le au niveau national ou gen ministre et justice qui pas prend responsabilité ou gen commissaire gouvernement qui pas assumer responsabilité yo ou gen juge d'instruction dans pays qui pas assumer responsabilité parce que appareil justice la gangrené appareil justice de la tête aux pieds son appareil qui gâte pour y sentir donc je dis non seulement il y a des réformes qui doivent faire mais nous trouvons nous en situation si CSPJ conseil supérieur pouvoir judiciaire yo t'a fait travail yo réellement gros paquet de juges gros paquet de commissaires du gouvernement là gros paquet de juges d'instruction là en vérité moun sa yo faut que yo te gete retiré bien longtemps dans appareil justice parce que c'est yo même qui kembe pays à côté lien là parce que si la police on bo a maré bandi la police on bo policier on dans la rue matin midi soir y a traqué bandi et puis le bandi ça arrivé devant un juge yo pral jwenn juge la gueyo yo pral jwenn commissaire du gouvernement libéré yo c'est parce que n'a pas la justice c'est corrompu là dans on boit cordé on boit on l'autre boit décordé donc travail pour rétablir sécurité en dedans pays son travail qui vini extrêmement difficile lié là où supposé comprendre et connaître ça dernier point hein? Martin Moïse li pose problématique misère qui gagne en Haïti, un problème économique gagne dans pays là. Moment, Haïti besoin pour pipiti 1 milliard de dollars pour remettre campé économie pays. Après question Covid là, après problème Covid là, économie en crase. Bon, pas même besoin parler question gang dedans pays qui a crasé économie en pire qui pas quitté route pour investisseurs étrangers venir investir dedans pays. Donc de manière économique Haïti a été plate. Nous besoin paquet l'argent, nous besoin gros kit l'argent pour nous relancer l'économie pays. Donc fonds ça yo supposé à utiliser à investir dans domaine agriculture là, yo supposé à utiliser à investir dans pour dans des programmes de production animale qui pour aider ti paysan nou yo qui pour aider agriculteur nou yo pour yo relancer agriculture au niveau national et Martin Moïse li mande Almagro pour supporter programme humanitaire yo pour yo acheter produits nan men fermier haïtien nan men agriculteur haïtien yo donc c'est ça Martin Moïse li té al parler nan tête à tête avec Luis Almagro maintenant mandou nan commencement émission gagné président et colombien Gustavo Petro lui-même qui demandait l'état haïtien à tout peuple et à tout Haïti excuse parce que gagné un groupe mercenaire colombien qui t'a quitté la Colombie qui t'a débarqué en Haïti là pour venir assassiner président Jovenel Moïse et moi d'où Jovenel Moïse lui réagit avec moi regarder là
nan pou Jovenel an. Jovenel, premier bagay li pa aksepte excuse Gustavo Petro. Li fè konnen plis pase yon ane apre, prezidan kolombien Petro Gustavo mande pardon pou torti ak asasina prezidan ayisyen Jovenel Moïse, papam, pa mersenè kolombien yo. Kom pitit gason ak sitwayen ayisyen, mwen pa mande, mwen mande justice, pa excuse. Ekip legal mwen ap chèche repons. Eske gen yon rezultat anket internasyonal ki konfime ke se mersenè kolombien ki asasine prezidan ayisyen an vre? Si oui, ki moun ki te komande asasina? Ki kote yo te ye? Sa nou konnen sou participasyon kompanyi Ameriken CTU e ki moun ki peye pou ki sa? Nou vle, nou bezwen e nou exige justice ak repons. Nou pa aksepte ekskizou Jovenel Moïse. Donc Jovenel rapid vite d'un revers de main li rejete excuse président Gustavo Petro. Mais faut moi di nou, Gustavo Petro nan moment assassinat président Jovenel Moïse, dans Gustavo Petro pour co-président. C'est en août 2022 Gustavo Petro li élu, li prend fonction comme nouveau président et colombien. Donc nan moment assassinat, c'est pas Gustavo Petro qui était là. Maintenant, Gustavo Petro ka toujours font coopération avec Haïti, avec la justice haïtienne pour yo chercher konnen, pour yo bay toute information yo gagné sous mercenaire colombien ça. Est-ce que bien avant assassinat président Jovenel Moïse, qui ça yo te gagné sur yo comme information? Est-ce que c'est pratique ça yo fait? Est-ce que c'est mercenaire yo même? Est-ce que yo participé déjà dans touyer l'autre président, dans chavirer l'autre pouvoir etc.? Toute information ça yo, on pense yo utile gouvernement haïtien, il y a utile la justice haïtienne, toutefois la justice voulait faire travailler de manière équitable, sans protéger un parti, vous comprenez, sans protéger Ariel Henry et toute l'autre acolyte qui impliqué dans tout le Jovenel Moïse. Donc toute information ça aujourd'hui là, si Gustavo Petro, si président colombien, livre aider Haïti tout bon vrai, en dépit de excuses li fait yo, en dépit de excuses li fait avec Haïti ak peuple haïtien, maintenant, c'est assuré que coopération Colombie avec Haïti son coopération qui parfaite, son coopération qui sans faille, son coopération côté que la justice colombienne, enquête colombienne yo, son coopération côté que tout monde qui participe, tout monde qui colombien qui participe dans tout Jovenel Moïse, la Colombie qui a fourni un ensemble de données, non seulement sous identité Mounzaïo, mais sous coopération, sous relation colombien ça a gagné avec l'autre pays. Est-ce que réellement colombien ça a l'argent est transité en République Dominicaine? Si oui, qui est-ce qui était en charge de l'argent ça? Vous comprenez? Toute information ça a Colombie, Cabaye, Haïti, il y a important. Nous gagnons Laurent Lamotte. Laurent Lamotte avec tout et Claude Joseph, ils ont même tout réagi. Laurent Lamotte, il commence pour le dire, remerciement pour le président colombien, Petro Gustavo, qui mandé Haïti pardon, peut-être c'est Colombien qui t'a assassiné, président Jovenel Moïse. Et il y a allé plus loin pour le dire, n'a remercié président Gustavo Petro pour le message lié. Côté lui montrer un pile respect pour Haïti et tout Haïtien. Route la longue, mais bataille pour justice Jovenel Moïse là a continué à support au Kounia. Justice pour président Jovenel Moïse, zanmita et respect Haïti. En dépit du fait que c'est mercenaire colombien qui rentre en Haïti qui vient touyer président Jovenel Moïse, mais ou senti quelque part jodi an nouveau président colombien li vle gon coopération qui établit entre deux pays yo, li vle pour lumière fait sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et nous pral gen la Claude Joseph lui-même qui réagit comme ça pour le dire avant toute chose, merci monsieur le président, cependant cela ne suffit pas, seulement merci en pas suffit. Haïti besoin entière pleine collaboration au gouvernement là pour l'aider, pour le découvrir qui est cerveau qui derrière assassinat président Jovenel Moïse, qui est-ce qui finance, comment yo te joine l'argent antécédent voyage différents mercenaires colombiens qui viennent en Haïti avec tout ça qui ca utile coopération, tout ça qui ca utile pour aider, pour faire lumière sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc on pense aujourd'hui président dominicain Gustavo Petro li gagne en pile travail pour le faire, si toutefois li vle pour peuple haïtien, li vle pour et pour Haïti reconnaître
que c'est Colombien, c'est vrai, qui touille président Jovenel Moïse, mais président colombien, il te reconnaît que pays là, il doit être trempé, il te reconnaît que ressortissant, il doit être trempé dans violation souveraineté pays non. Dans souiller démocratie la caille non. Dans souiller souveraineté pays nous n'en fait violation droit en Haïti. Donc ça est extrêmement important. Et dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a différents pays qui te chita parler ensemble sous problème insécurité qui est en Haïti. Nous pas oublier que l'État, ils ont gouvernement ont annoncé que et il y a un paquet de matériel, il y a un chablende, il y a un équipement de protection individuelle pour les policiers qui ont été commandés. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gens arrivés. Ça va gagner 2 mois là. Il n'y a pas de gens matériels. Nous sommes là, gagner Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui promet que pays Canada gon contribution gon enveloppe là à hauteur de 20 millions de dollars américains yo paré pour yo mettre à la disponibilité de PNH qui pour renforcer capacité PNH gagner qui pour aider combattre crise insécurité phénomène banditisme en Haïti. Kounya question anpil moun a posé matériel ça nous t'ai acheté yo et matériel ça gouvernement t'ai dit l'acheter yo pour qui ça pas jamais caractérisé alors que n'a fait promesse nous pral investir l'argent dans PNH nous pral contribuer pour renforcer PNH alors que l'état haïtien avec faible moyen nous gagne avec petit caca nous gagne nous acheter matériel la caille nous matériel ça pas jamais venir. Donc est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est une bêtise, nous continuons à passer à Haïti parce que qu'on est ou qu'on est comment bagaille est déjà avec pays sa yo. Le fait que nous pas prendre décision pour nous, le fait que États-Unis te mettent en bas aux armes ou Haïti depuis 91, c'est en 2006 yo pral font ti souke partiellement yo pral dou pa gen embargo mais des sanctions imposé avec Haïti dans question armes nan. Et c'est une des raisons qui fait de 91 rivé à 2006, de 2006 à nos jours, ou après, il paraît difficile pour PNH pour commander équipement, pour commander matériel pour la police. Bon, pas même besoin de parler de l'armée d'Haïti parce que États-Unis reconnaît nous pas gen l'armée. Tout l'autre pays suit États-Unis comme si nous pas grand monde la caille nous. Nous pas grand monde la caille nous. Donc, si nous avons une autorité, il faut que l'autorité soit suspendue avec question pour y apporter bol blé, pour apporter cuir dans notre pays. Alors que avec faible moyen, avec sorgue, il n'y a pas accepté que. Ou ka investi dans sécurité la caillou mais ou toujours préféré c'est eux même k'ap dou yab ba ou et puis là ou débarqué la caillou ou dou mais aide voter pour le garder qui soit ouais yo pote quelques bout matraque pour policier quelques bout bâton yo pote gaz lacrymogène yo pote gants pour policier yo pote casque pour policier yo mais jamais pour yo pote zam jamais pour yo dou gen drone jamais pour yo dou gen hélicoptère jamais pour yo dou gen bon chablende etc. Donc c'est réalité ça c'est ça na vie jodi en Haïti. Et m'pral kito là avant m'kito m'a rappelé au projet rentrer l'école là jeudi en 23 septembre. Donc d'ici 2 semaines là l'école là a ouvri. N'a préparé nous là pour nous river accompli projet pour nous river finaliser projet là dans aider 150 timoun pour rentrer l'école année en ba yo livre, ba yo valise, ba yo différents autres équipements, autres matériel, il y a besoin pour yo rentrer l'école là. Donc ou même qui voulait aider, ou même qui voulait contribuer, ou même qui voulait supporter projet là, li pas trop tard, li pas trop tard car toujours fait li. C'est un plaisir la pied pour ou même ou contribuer dans gros projet ça côté au pral ouais, c'est plusieurs timoun qui pral recevoir des kits pour rentrer des classes dans la numéro pas changer 38 96 38 19 ou qu'a toujours écrit ou bien relé pour nous parler sous projet rentrer des classes. M'pral kite ou avec président Komondana Fritz Alphonse Jean qui tape font adresse à la nation même trouver c'est nous trouver grand moun yo kounia grand moun yo même propre tête yo manquer respect m'pa vle dire c'est grand moun sans honte mais nous dans un contexte de crise politique qui mande dialogue ou est tout moun se tête yo met dehors pour yo déclarer tête yo c'est président pour yo considérer comme officiel alors que ça n'a traversé dans pays son chita parler pour fait tout moun nan bo pa yo dou c'est yo même qui gen légitimité tout moun nan bo pa yo dou c'est yo même qui gen plus autorité tout moun nan bo pa yo dou c'est yo même et qui ka fait qui pi ka fait. Donc jodi a c'est comment on a sorti dans crise là c'est la grande question. M'ap kito avec président Montana président transition n'a cassé rendez-vous dimanche prochain pour l'autre émission. Merci tout moun, à très bientôt. Peuple haïtien, c'est ak freno yo. C'est avec un pile la peine n'a vive situation chaos généralisé ça dans la coupe pays d'Haïti côté même institution sociale yo
tant que l'école, l'université, l'église et la trier par épanier. Mais l'idée clair pour nous, car on généralise ça, ces conséquences violence système politique, économique et social, marié avec mauvaise gouvernance qui établit dans l'État depuis bien longtemps. C'est ça qui la cause toute institution est effondrée. Malheureusement, nous toujours dérefusé d'établir sous problème fondal natal ça yo avec équité, éthique, responsabilité et puis courage. Oui, depuis longtemps, en pile citoyen citoyenne, quitte c'est dans conférence, quitte c'est dans émission radio et la trier, a alerté pays a sous gros danger qui gagne dans quitter situation exclusion à démonisation peuple haïtien pour y plus. C'est pas pour te crier la pérèse qu'il y a aucun secteur, mais si tout, c'était pour signaler danger qui t'a venu sur nous à toute vitesse. Si je dis, augmentation prix gaz là, qu'a servi grain aliment pour lui mettre 10 fait chaos ça, c'est parce que toute base chaos a été construite déjà. Chaos ça, c'est traduction d'une dette sociale lourde qui sous deux pays. Dette sociale ça, il y a une expression li, dans absence de service de base pour toute population. Exclusion li, la misère ak raissement social pour majorité moun nan pays a. Nan plein 21e siècle ça. N'a pas gardé sous réseaux sociaux yo. Yon scène pillage côté des femmes mettaient ensemble pour yo porter sous tête yo yon ti sac duri. Nous-mêmes secteur politique, nous-mêmes secteur économique, nous-mêmes moun savé tableau la honte ça, ta dwe fè appel à conscience nous. Scène pillage ça passé nan Gonaïve, nan département la Tibonite. Yon nan département qui pi riche nan pays a. Côté diri te dwe a produit à gogo. Femme ak garçon pays d'Haïti. Nous connaît violence système économie politique ak social ça. Marié ak mauvaise gouvernance qui menait nous nan gros désespoir. Lagé nous nan chômage, grand goût, insécurité. Moun ap sauvé kite pays a. Mais m'ap di nou, nous pas doué quitter désespoir mener nous dans mauvais chemin. L'espoir a vini dans un consensus politique national pour freiner effondrement et puis pour nous prendre route construire l'autre pays ensemble. Cependant, pour nous construire l'autre pays, nous devons attaquer problème d'appiant un petit point monde fait sur l'État. Problème corruption, problème contrebande qui engendrer insécurité et empêcher l'État joindre l'argent pour bailler la population en service. C'est d'amener une réforme pour rendre l'institution de l'État solide, n'a privé créer conditions pour résoudre le problème fondamental. Sans réforme, ça yo, nous n'avons pas qu'à faciliter la cohésion sociale, qu'à mener la paix politique, qui yon une exigence pour établir confiance yon dans l'autre dans la société. C'est travail ça, nous proposer dans l'accord Mandana, dans la transition coupée fâchée. Pendant notre travail pour y réaliser élection yo bon gens élection n'a posé base pour créer yon l'autre économie yon l'autre société côté tout moun se moun et tout moun gen même chance pour avancer dans réalisation rêve personnel yo. Nous gen confiance, nous sou route l'espoir parce que n'a travail pour changer règle jouet là. Vive à Komontana pour une transition coupée fâchée. Vive peuple haïtien, vive unité nan mitan nan chanm. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour vivre vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Le débat, c'est toujours même Yannick, même voix. On y